irrévérencieux, impoli, incontrôlable, macho, homophobe, anti-wok, anti-vieux, anti-minorité, antisémite, jaloux du succès des autres, se moquant des Portugais avec son crépi Davy. Bref, bienvenue sur Toen TV. Et une grosse tête que tout le monde aura reconnue sur le plateau de Touche pas à mon poste avec une cagoule. Ah oui. Sébastien Thoen. Vous êtes partout en fait, Thoen. Ah ouais, vous savez, je suis très sollicité parce que quand on a du talent, c'est normal. Ah oui, c'est de vous dans ça vous fait rire. Oui, vous avez vu, c'est pas très sympa, c'est les pas gens. Très sympa. D'ailleurs, on te voit partout à part ici. Hein. C'est incroyable, c'est. Alors attendez, où est Boué, où est Cannes? Toi, c'est Cannes. Toi, c'est Boué. Ok, il y en a du télé-shopping. La meuf de l'EHPAD qui vient faire des heures comme ça. Et Paul Mirabel, ok, j'ai compris. C'est vrai qu'on nous avait prévenu du grand remplacement, force est de constater que. Ah bah, il est là. C'est en cours. Ouais, mais ça manque de nains. c'est bien qu'on voit des gens des tropiques, mais on pourrait voir des nains aussi. C'est pas des gens des tropiques. Oh, la banlieue, les tropiques, kiff, kiff. Je suis de Nancy, Sébastien. Karine Le Marchand n'a rien de tropical. Non. Ah, mais elle est chaude. Fabrice Eboué non plus, d'ailleurs. Bah, il est chaud aussi. Fabrice, il vient il nous a toujours fait croire, mais il vient d'une banlieue riche, n'est-ce pas, Fabrice? Ah non, j'en sûrement, j'ai jamais rien fait croire du tout. Ah ouais. J'avais brûlé la voiture de Laurent une fois pour faire croire, mais non, évidemment, j'ai grandi à Nogent-sur-Marne. Bah voilà. Voilà, et ma mère est de Beaumont-en-Auge, en Normandie. Bah voilà, voilà. Ah, c'est bien. Ah, comme quoi, il y a des gens normaux dans votre famille. Voilà, hein. Exactement. Et Rachel Kahn, pareil. Mais la Touraine, moi. Bah voilà. Bah voilà. Touraine natale. Voilà. Je suis le seul. Donc moi, je suis blanc et je suis pauvre. Vous voyez, il y a quand même un problème. Ah bah voilà. Et c'est moi qui viens des quartiers, c'est pas normal. Non, on est deux. Oui, on est deux. Et Toen est né à Bamako. On est deux. Et il y retournera. J'ai rêvé de vous cette nuit, patron. Oh là là, ouais. Le faillot tout était quoi sur une licorne. Ah oui. Vous jouiez de la harpe. Il était où sur la licorne? Ah. Alors justement, oh. C'est bien ça le problème. Alors mais vous, si vous y mettez. Et vous étiez complètement nu et vous lisiez des versets du Coran. C'est très sexy. Pour Serge Picard, une première citation, il vaut mieux enchaîner dans ces cas-là. Monsieur Picard habite Blanquefort, en Gironde. J'espère qu'il n'a pas trop froid. Quel rapport? Ah, Picard, oh, ça. Non, mais j'ai. Quelle carrière. Bah, merci de vous marrer quand même. Ça valait le coup de démarrer tard pour faire ça. La guerre entre comics, c'est insupportable. Non, mais je vais vous dire un truc, moi j'ai pas vu les Oscars. Il a présenté les Oscars. Bah oui, bon, on n'a pas vu. Mais attends, nous, on regarde la France, on a un incroyable talent. Il a un late show. Oui, mais bon. C'est trop tard. Si c'était plus tôt, on l'aurait peut-être vu. C'est fini. Moi je dors tôt. Je veux pas être fraîche le matin, regardez les late shows. Oh, ah, parce que tu trouves que t'es fraîche? Oui, je suis fraîche. Ah oui, elle est fraîche. Ah, oh, fraîche, toi, au milieu d'une étable, oui. Oh. Ça va, c'est de la radio, on s'en fout, Karine, pas grave. Mais la prochaine fois, franchement, mets pas du paprika en fond de teint. Pile ce 3 avril, d'ailleurs, ouais. Nous fêtons les 50 ans de ces 13 chiffres, qui n'étaient que 12, d'ailleurs, jusqu'en 1976. Ils sont 13 depuis 1976. C'est pas une fortune, Jean-Bernard Arnault ? Une fortune, non. Est-ce que c'est un classement ? Un classement, non. Est-ce que c'est un numéro de rue ? Par exemple, il y avait 12 adresses et puis il y en a une 13e. Non, il y a une page entière là-dessus dans La Croix aujourd'hui. Mais qui lit La Croix ? Est-ce que ce serait une nana un peu chaudasse si on aurait retrouvé un 13e ex ? Ah oui, non, pas du tout. Mais surtout dans La Croix, car. C'est un rapport avec il classe des chaudasses dans La Croix. C'est tous les plans de Marie, ouais. Deux mains qui se lèvent dans le public. Trois, monsieur Thoen. Oui, je vais on va perdre 400 euros sur cette affaire. Aïe, aïe, c'est pas sûr, hein, elle a pas l'air très fut-fut non plus. Bonjour madame, comment ça va? C'est un plaisir. Alors présentez-vous et d'après vous la réponse, s'il vous plaît. Sylvie de Genève, je pense le code barre. C'est le code barre, bravo madame. Oui, mais Laurent, on est censé apprendre ça où? Parce que là, la dame doit travailler chez Auchan. Comment on apprend un truc comme ça? Madame est caissière, t'as raison. Mais c'est sûr qu'elle est caissière. Et tu lui parles, d'ailleurs, elle fait bip. T'as vu, j'ai fait passer le micro devant elle, ouais. Ça sonne. Madame qui est caissière, elle vient de gagner 100 euros dans sa caisse enregistreuse. Voilà, grâce au code-barre. Et vous devriez avoir honte, les grosses têtes. En même temps, 100 euros à Genève, c'est quoi, un café? Un café et un croissant? Caissière en Suisse. Ça nous fait plaisir, en tout cas. Caissière en Suisse, elle gagne plus que Laurent. Hein. Bien sûr. Bien sûr. Les grosses têtes
répondent aux auditeurs. Et oui, parce que pas mal de messages, de reproches, parfois, ou des compliments sont laissés sur l'adresse de notre émission lesgrossetettes@rtl.fr. Retenez bien si vous voulez vous aussi participer et pourquoi pas parler aux grosses têtes sur l'antenne. On peut écrire, nous, sur les collègues si vous voulez. Je vais mettre un nombre de faux comptes, moi. Je pensais que tu l'avais déjà fait. Oui, je pensais que tous les compliments qu'on recevait, c'était vous. Bah ouais, c'est les gens de ma famille, mais là, je vais en faire moi-même. Gaëtan, il est allé voir Fabrice Eboué à Toulouse, c'est bien ça, Gaëtan ? Exactement. Vous étiez en larmes du début à la fin, pourquoi ? Pour le prix ? Hé, hey, Toen, ta gueule, c'est mon moment, là. Bon, alors vous étiez à Toulouse, vous avez applaudi Fabrice Eboué, vous êtes content qu'il soit de retour aux grosses têtes ces jours-ci, ça nous fait plaisir. Mais vous attendez un spectacle de Sébastien Toen, dites-vous dans votre message aussi. Ouais, ce serait bien carrément. Ah, ça me fait plaisir. Pardon, okay, bien sûr. Mais viens, à la maison, je te le fais chez moi. Pour monter tout seul sur scène, faut avoir des couilles, vous savez. Hein. Oh, oh, oh. Qu'est-ce qu'il a avec sa moustache sur le crâne, l'autre ? Salut Laurent, salut les grosses têtes. Bonjour Anthony, comment tu vas ? Très heureux. Jusqu'ici, tout va bien. Très heureux du retour de Fabrice Eboué cette semaine, qui fait partie, selon moi, de l'élite des humoristes. Oh là là. Anthony, c'est vrai. Merci. Sébastien Toen, qui n'est pas très loin de lui, mais seulement dans le studio RTL. Attends, tu m'aurais vu au Monop hier. Mais vous dites que parfois, quand même, il arrive à vous faire rire, Toen. C'est bien ça ? Ah, il m'a eu à l'usure. C'est vrai qu'au début, j'avais un peu de mal avec lui. T'as raison, ça s'appelle le comique d'usure. C'est sa spécialité, l'usure. Ah ouais, moi, je suis usé, si vous saviez. Ah ouais. Ah ouais, je veux bien le croire. Et Ferrari, vous plaît bien Ferrari aussi ? Aussi, je le connais un peu moins, je le suis un peu moins, mais c'est vous vrai. Vous connaissez moins que Toen ? Putain, j'ai vraiment loupé ma vie. Hein. Non, mais Toen, on entend plus. Ça peut être parce qu'il est jeune, qu'il va sur YouTube. Bon, on va vous envoyer des places pour... Et Laurent, je pourrais en profiter pour passer un anniversaire à ma petite fille Zoé qui a un an aujourd'hui. Oh, bah, elle est pas en face de vous, dites-lui. On lui. Il y a son grand-père également. Mais c'est bizarre, non ? Ah, vous ne voyez plus, vous êtes divorcé ? J'ai pas compris. Il dit, elle est où pour pas que vous puissiez lui dire directement ? Ah non, mais je veux passer à la radio, je lui ai déjà fait des gros bisous ce matin. Mais elle s'en fout, elle écoute Skyrocket. Tais-toi, toi, non, parle pas, toi. Non, c'est son voisin qui était paysan qui me les a livrés, ça a été le coup de foudre. C'est génial. Il est dans quel type de culture ? Lui, il est en zone aussi de montagne, il est en élevage charolais. D'accord, il est plutôt sur de la charolaise, il fait combien de kilos ? C'est le fromage, l'animal. C'est mignon alors, parce que j'imagine en période de reproduction, que ce soit vos bêtes à lui et à vous. Bah, tout le monde se monte dessus. Tout le monde se monte dessus. Mais non, en même c'est temps. Pas pareil, les vaches ne montent pas des chèvres, enfin. Non. Bah, ah, mais elle a des vaches, elle aussi. Non, oui, mais elle a des chèvres surtout. Ah bah, bien sûr que les vaches ne montent pas des chèvres. C'est possible, regarde, elle est bien métisse, Karine. Oh. Oh. T'es malade. Non, mais un charolais, c'est bien monté. Parce que je suis métis, je me permets de le dire. Oui, c'est vrai, mais bon. Ça pas te plaindre après, s'il y a des clichés. J'aurais pas été métis, je l'aurais pas dit. Bien sûr. Ah. Mais moi, j'adore les dom-toms. Moi, ça me choque pas, Fabrice, que tu me dis, franchement. Les dom-toms de Savoie, bien sûr. Oh, c'est un plus. Allez, on vous embrasse, en tout cas. Et c'est gentil d'avoir laissé... Elle a raccroché la campagnarde ? Non. Elle... C'est un personnage fictif, lingère de la reine, courtisée par D'Artagnan. Comment s'appelle-t-elle ? C'est pas Milady, là. Ah non, c'est pas Milady. Ah ouais. Charlotte ? Milady, c'est la veuve et l'ancienne femme d'Athos. Ok. Ah, c'est un peu Laetitia Hallyday. Mm. Non, parce qu'elle est mais pas de veuve. Elle n'est pas veuve d'Athos, elle est veuve de Lord de Winter, mais elle a été avant l'épouse d'Athos. Et elle a eu... C'est pas l'épouse de D'Artagnan parce qu'elle a un mari en c'est plus. C'est son plan cul. Ah oui, ah, c'est le plan cul de D'Artagnan. C'est une jeune bourgeoise, un peu cochonne. Courtisée par D'Artagnan. Coquine, on va dire. C'est souvent une jeune bourgeoise. Elle n'est pas forcément cochonne. Coquine. Bah, dis-moi, elle trompe son mari avec un mousquetaire. Ouais, mais toi, c'est. Voilà. Et alors, c'est pas cochonne. C'est. Tu l'as pas trompé, Raymond Domenech, toi, avec n'importe qui ? Hein, à vous, on le sait. Mais vous aussi, je lis tes poches. Oui, on sait tout de lui, sauf son nom. C'est triste. Le mec, il joue du ACDC parce qu'il gagne Nicolas. Une élection. Son prénom, c'est Nicolas. Qui s'appelle Nicolas, oui. Ah, ouais. Nicolas de Rouen. Et c'est un double prénom ? Un nom de Sarkozy Bruni. Comment t'as dit ? Nicolas Sarkozy Bruni. J'en connais qu'un, moi, pour ça. Il a deux noms, c'est ça ? Non, mais il monte en puissance, là. C'est lui qu'on voit. Ah ben oui, on l'a vu partout. Ah oui. Et là, quand même, on a deux. Ça reste un socialiste, tout le monde s'en fout. On a...
Il y a deux Normands qui se sont rentrés dedans ce week-end. Ah. Pouvez-vous me donner leur nom ? C'est pas mes parents, mais c'était il y a 45 ans. Une auto-tamponneuse dans une fête foraine ? Non, non plus. C'était dans un véhicule ? Oui, c'était chacun à bord d'un véhicule. Et c'était voulu ? Ah, c'est Leclerc, c'est la F1. C'est de la F1. Ah. C'est Leclerc contre... Alors, c'est pas de chance, c'est pas Leclerc. Ah bah il faut quand même suivre la course. Oh non mais non, il faut pas suivre la course. Avec l'hôtel ça me saoulait déjà, la course. Oh non. Ben où est-ce que vous logez quand vous allez à la campagne voir vos agriculteurs si c'est pas dans un Formule 1? Il y a des meilleurs hôtels. C'est pas hôtels. Des Formule 1 dans la campagne, il y a pas de Formule 1. Ah c'est vrai. Ah bah non, c'est dans la grange, c'est des campagnes. Des gîtes, des chambres d'hôtes et tout ça. Des tentes. Et on dort bien dans le foin alors. Ouais. On peut prendre la bagnole et aller dans une ville. Parfois quand c'est pas loin, mais quand il y a pas. Mais non, mais quand il y a pas, il y a pas, on va pas faire 2 heures de bagnole pour aller tourner le matin. C'est comme en terre inconnue, tu as fait semblant d'aller dans la grange puis à Philosophitel juste derrière. Allez, coupez, on va au Sophitel. Non parce que moi je suis pas, vous avez fait en terre inconnue, vous, Fabrice Eboué? Ouais. Oui, mais avec ma couleur, ils m'ont emmené à Lyon, donc. C'est vrai, tu l'as fait? Non, je sais pas. Il paraît que c'est pipoté, vraiment. Ah bon, bon ouais, moi, j'ai un pote intermittent, il fait Père Noël à Galerie Lafayette. À Noël, et sinon il fait pygmée dans Rendez-vous Inter Inconnu. Oh non. Mais bien sûr que c'est pipoté, t'imagines? Genre ils arrivent comme ça. Bah oui. Genre Balasco, elle arrive au milieu des, des Maasai. Ouais. Ils sont en train de crever de faim, elle fait salut, on peut faire un selfie. Ils vont faire, vous êtes fous. Il l'aurait mangé. Bah oui, il l'aurait bouffé. C'est pour ça qu'ils prennent que des gens un peu forts, genre Efira et tout. Mais qu'est-ce que vous racontez? Vous dites qu'ils dorment pas mais sur mais si c'est pas prévu, t'imagines, ils se font accueillir avec des flèches et tout. De toute façon, mais non, mais c'est repéré à l'avance. Les gens, évidemment. Non, mais d'accord, il y a quelqu'un qui vient dire. D'accord, donc le paysan est au courant quand tu viens, c'est ça? Oui, ils inscrivent. Quel nom? Non, mais toi, c'est en plus, toi, à la limite, c'est des vrais paysans. Et le bouquetin, il est d'accord, le bouquetin? Oui. C'est des vrais paysans, tout ce qui est guerrier Massa et tout ça, c'est des intermittents du spectacle, généralement. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mais si, c'est comme au plus du fou. Je l'ai fait, Massa pour. Mais tu l'as fait, Fabrice. T'as démarré comme ça? Non, mais j'avais pas assez de cachet pour mon statut d'intermittent, j'ai été faire Massa et tu m'as pas reconnu. Omar Sy, il a commencé comme ça, il était Maasai dans Rendez-vous Inter Inconnu. Oh. Mais si. Mais là, il y a des gens qui vont croire que c'est vrai. Mais, ouais. Mais c'est la réalité. Mais bien sûr que si. Enfin. Non, non, vous pouvez pas dire mais c'est ça. C'est pas grave, vous, pour le spectacle. Non, non. Demande non, à Rachel, non. Elle l'a fait aussi. Au Botswana, celle qui fait genre, elle coupe du pain, là, c'est elle, en fait. Qui ramasse le mil et tout, c'est elle. Donc, ils l'ont flouté pour pas qu'on la reconnaisse. Ferrari. Mais de toute façon, déjà, ils te font croire qu'il n'y a pas d'électricité alors qu'ils sont tous en train de filmer. Donc, déjà, de base. Ils ont mis des piles dans le caméscope. Mais pas du tout, ils ont des batteries. Oui, et tu les charges comment les batteries, Karine, si tu restes un mois chargé. Mais le Téléthon, c'est pas les vrais handicapés, tu crois quoi? Ça s'appelle la télé, t'es naïve ou quoi? Mais c'est vrai que Noël est habillé comme il est habillé vraiment comme un vieux. Ouais. T'as un espèce de pull. Écoute, on dirait que t'as fait pyjama depuis tout à l'heure. On dirait que t'as fait caca dedans en plus. Et mais il a fait caca dedans. C'est un pantalon. Toi, tu vois Galerie Lafayette, c'est en terrain inconnu, hein. Bah oui. 300 euros encore. J'espère que vous faites les comptes hein, derrière la vitre. Présente-toi la réponse. Fred, je viens de Metz. C'est pas vrai. À côté de Wapi, ma grand-mère était là-bas. Et puis elle est partie au monde de... Enfin, bref. RTL, le livre du jour. Ah, le livre du jour va vous intéresser. C'est le grand Papa livre. Poule. Non. Toutes les coulisses de la série mythique de France Télévisions. Le grand livre de l'escroquerie, c'est aux éditions du Passeur. On va avoir Charles Laval au téléphone dans un instant. Ah, et qui le prouve. Qui nous raconte toutes ces arnaques, ces fraudes, ces contrefaçons, les imposteurs et les escrocs. Il a été secrétaire général de la SFIO. Ah, plutôt gauche. Alors. Maire d'Arras aussi. Oh, je l'ai sur le bout de la langue. Et vous connaissez son nom, on l'apprend à l'école. Hein. Moi, j'ai appris son nom à l'école. Ah bon ? Meignerie. C'est un nom qui fait d'ailleurs souvent rigoler, parce que bêtement, pour tout dire. Ah bon ? Olivier Trouduc ? Pardon. Non, non. Un prénom à une seule syllabe, mais un nom à deux syllabes. Alors, c'est un chinois, alors. Paul Auchan. Non, c'est pas Paul Auchan. C'est Jean ? Non, c'est pas genre. Non. Mais pourquoi il fait rigoler son nom ? J'ai pas dit qu'il faisait rigoler, enfants. Mais quand on est à l'école, il ne faut rien vous rire. Voilà. Vous êtes en classe. C'est un peu comme ici. Et ça permet, ça permet de retenir son nom, vous voyez. Ouais, comme quand on dit poule, on se marre. Quoi. Voilà. D'ailleurs, on n'est pas loin de la poule. Ah, Coq. Qu'est-ce que ça fait une poule ? Jean-Louis Dindon. Sa cocotte. Sa caquette. Omelette ? Monsieur Omelette ? Non. On se rapproche. Frédéric Dupont ? Comment vous dites ? Frédéric Dupont. Mais quel rapport avec ça les deux. Existait. Mais quel rapport avec l'omelette ? C'est pas Ponce. Thierry Flamby. Thierry Quiche. Jean Pont. On cherche un truc avec des œufs.
Oui. Alors. Jean Patacrêpe. C'est chaud le PSG en ce moment. Ah, ça va mal au PSG. Ça m'embête parce que ces pauvres Qataris, ils n'ont pas une thune. Allez, arrête. Là. Et ils viennent se casser les dents un petit peu. Là. Oh. Parce que l'entraîneur va sauter, non, dans ce cas-là. Bah, Galtier, il est encore là, mais je pense effectivement au mois de juin, ça va sauter. Bah, oui. Ils vont tout changer, de toute façon, Mbappé va partir. Ah bon ? Le président va vendre ses chameaux, ça va être l'enfer. Non. Ça va, patron ? Non. Des allergies. Alors. Alors, l'humour, du Maurice, ça va mieux. Eh ben oui, moi, ça va mieux depuis que vous m'avez donné votre truc, je vous jure, j'ai plus rien. Ah, la c'est cocaïne, là ? Mais plus rien du tout. Okay. Non, mais pourquoi tu dis qu'il est parti? C'est vrai, ça c'est annoncé? Mais Mbappé, s'il part pas maintenant, il partira. Mais il a re-signé, on m'a dit. Alors, tu l'as pas tapé, Mbappé? Après, elle a beaucoup de contacts dans le foot, Karine. Hein. C'est un bébé, attends. Alors, un bébé? Bah, dis donc, c'est le bon bébé déjà. Bah, il a quel âge? Il a 20 ans, 22, je sais pas. Il a la tête d'Henri Salvador, il fait pas bébé. T'as été avec un footballeur? Il y a longtemps. Ah oui, il y a récemment. Tu vois l'équipe de France de la Coupe du Monde 98? Ouais. Bah voilà. J'ai quitté il y a 10 ans. Ah oui, bah oui, bah je sais, oui. C'est vieux, un vieux dossier. Il n'y a pas eu celui-là, il n'y a pas eu celui-là. Noël Le Graët, bravo. Mais si, il y a eu celui-là. Il est comment, Le Graët, au pire, là? Mais pourquoi ça, il n'y a pas eu celui-là? Mais qu'est-ce que vous faites courir comme rumeur? Bien sûr qu'il y a eu celui-là. Je pensais qu'il y avait plusieurs dans l'équipe, moi. Mais ça va non. pas, il n'y a non. pas eu Papin aussi. Non. Mais ça va pas. T'es resté combien de temps avec la gaffe? Non. Il n'y a pas eu Christian Morin, il t'a largué comme une merde. Mais vous voyez que j'étais avec qui, vous pensez que j'étais, sinon? 8 ans, excusez-moi, c'est pas non plus un coup d'un soir, 8 ans. Oui, mais 8 ans en club échangiste, ça fait beaucoup. Oh. Une autre série qui passe sur Paramount avec Kiefer Sutherland qui s'appelle Rabbit Hole. Le trou du lapin ouais. Bah oui, le trou du lapin. Ah bah dis donc, tout de suite, Karine. C'est sur les coulisses de l'émission de Karine. De son nom d'artiste Stormy Daniels. Elle est née à Baton Rouge en Louisiane et la presse parle beaucoup d'elle ces jours derniers. Mais pour quelle raison? Elle est morte? Ah non, non. C'est pas elle qui porte plainte contre Trump? Bonne ouais. réponse ah de Sébastien Thoen. Et toc! Ah bah ça oui. Ah ça, tu connais ça. Il n'est pas seulement drôle, le génie de l'humour. Toutes les actrices porno, vous les connaissez alors. C'est ça. Alors, c'est une ancienne playmate, je crois. Ou c'est l'actrice X. Non, ça, c'est la deuxième. La deuxième. Ah oui, parce qu'il y en a plusieurs. Bien sûr. Ah oui, il y en a une deuxième. Il n'a rien fait de mal. Elle est playmate et ça n'est pas du tout la même chose que dingue. Stormy Daniels, née Stéphanie Gregory Clifford, qui est née à Baton Rouge en Louisiane. Bien nommé Baton Rouge. Oui, passionnée d'équitation au départ. Elle doit l'avoir monté. Ouais. Non, mais c'est vrai. Elle participait à des concours hippiques de saut. Elle a sauté. Pour réussir, elle a sauté. Non, mais c'est vrai. Elle possédait des chevaux d'ailleurs parce qu'elle avait reçu plusieurs bourses qu'elle utilisait. Oh Laurent, vous faites exprès. Non, elle sautait grâce aux bourses. Écoutez, je vous dis. Oui, mais non, enfin, non, patron, on vous connaît tellement. Elle investissait dans les bitcoins, allez, on la connaît la fuite. Je vous lis ses CV. Elle était à un poil de la réussite, c'est un dans la. Et maintenant elle est à bout, c'est ça? Non, mais écoute. Et encore mineur, mais pour ne choquer personne, son spectacle n'était pas trop osé, vous voyez, à l'époque. En désaccord avec sa mère, elle a quand même quitté le domicile familial pour s'installer en appartement avec son petit ami de l'époque. Jean-Luc Lahaye. Elle n'a que 17 ans à ce moment-là. Elle a quand même suivi sa dernière école, sa dernière année d'école secondaire. Puis là, elle a commencé comme danseuse dans le monde de la nuit. Pour ses 18 ans, elle a été engagée au Gold Club à Baton Rouge. Et elle a sorti un livre. Elle a travaillé pendant 3 ans toutes les nuits dans ce club. Elle a mis de l'argent de côté. Là, elle s'est fait poser des implants mammaires. C'est intéressant, le CV d'une actrice porno. On a un beau parcours. Hein. Là, c'est mais pourquoi vraiment, on parle autant de Karine là, je comprends pas la question. C'est une vie de Maupassant, là, vraiment, depuis tout à l'heure. Et maintenant, elle présente L'amour est dans le pré. D'accord. Bon, alors, donc, pour ses 18 ans, qu'est-ce qu'elle fait, la gamine de Baton Rouge? Elle se refait faire les seins. Bon, très bien. Après, elle envoie des photos à un photographe qu'on lui conseille. Là, elle a posé pour 4 magazines, notamment pour Suze Randall, que je ne connais pas. Et puis, elle fait sa première scène porno, une scène lesbienne dans un film qui s'appelle American Girls Part 2. Avec Elizabeth Bourne. Revenge of the Dildos. C'est quoi ça? D'accord. Une parodie la revanche de... C'est la revanche... C'est quoi Dildos? C'est écrit comment? Bon, Sébastien, là, on est dans ton domaine. Il y a une dame qui connaît, allez-y. Ah.
Gonne-Michet, professeur d'anglais. Ouais. 55 ans. Karine, on applaudit. Merci, madame. Elle est venue avec tous ses élèves. Alors, c'est incroyable. Elle est venue avec tous ses élèves. Pour traduire les... Bon, on ne peut pas voir la dame, évidemment, c'est de la radio, mais alors vraiment, si on avait dû miser sur une traductrice de titres de porno, on n'aurait vraiment pas dit la dame. Vraiment. C'est pas vrai du tout. C'est un compliment qu'il vous fait, compliment. Madame. Surtout que je la connais, elle travaille au sexodrome à Pigalle, elle est charmante. Tête, 5 fake news. Nous voilà partis pour Calvados à Mondeville. Peut-être vous êtes Miss Mondeville, Véronique. Oh. Oh, pas du tout, je n'ai plus l'âge. Ah, vous êtes Gilène? Je vais vous appeler Véro, hein, d'accord? Oui, ça sera mieux. Véronique, en tout cas... Bah, c'est mieux que Nick. Hein. Ah ben justement, vous allez partir au château de Pinet. Ah, bah, je l'ai vu arriver. Alors, l'actualité nous rappelle le nom de ce Polonais dont, il faut le dire, le lieu exact de la tombe fut longtemps demeuré inconnu, mais des ossements de ce Polonais furent retrouvés dans une cathédrale polonaise près de l'hôtel dont il avait la charge. Et puis des chercheurs de l'Institut médico-légal de Cracovie ensuite ont confirmé que le crâne et le fémur appartenait bien à cet homme grâce à deux cheveux qu'on avait trouvés dans un de ses livres. Et ah, c'est pas un acteur X, Lech Walesa ? Non. Qui je vais confier la valise ? Peut-être à Karine Le Marchand. Bah oui, on l'entend jamais, la peau. Oui, c'est sans risque. Qui a une voix très populaire, très reconnue. On la prend pour Annie Cordy. Et Christine O'Krent, à qui j'aurais pu tout aussi bien confier la valise, va donner le numéro de la chance, Christine. Le 6, par le exemple. Le 6. Céline Cochet, Mme Cochet, habite dans l'Ain. Ah, qu'est-ce qu'elle fouette ? À Rérieux. Oh, oh là là. Oh mon Dieu. Il n'y a aucune analyse avant de la sortir. Ouais. C'est quoi ? Je ne suis même pas réalisé que j'avais dit, moi. Qui a dit ça, d'ailleurs ? C'est vrai qu'il n'y a pas de filtre du tout. Pas aucun filtre. Aucun humour, c'est le problème, par contre. Céline Cochet habite à Rérieux dans l'Ain. Ça a sonné chez Mme Cochet. Mais à l'école, c'était pareil. Ça devait être horrible. À l'école, c'était pareil. Ah non. Bonjour, vous êtes bien sur répondant. Oh là là. Messagerie, Laurent, il ne faut pas répondre. Actuellement, je vous invite à me laisser un message ainsi que vos coordonnées pour que je puisse vous rappeler très rapidement. Merci, au revoir. Oh, elle a une jolie voix, ouais. Céline. Ouais. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Dans le cul, la valise. Oh non. Ouais, ça, c'est chez moi, ça. Ça sonne chez Anne-Marie. Déjà, Anne-Marie se fait chier, donc elle va décrocher. Tu vas voir. Représente. Allez, Anne-Marie, allez. C'est à la troisième qu'elle décroche, généralement. Elle était avec le voisin, cette heure-ci, là. Aïe, aïe, aïe. Oui. Ah. Anne-Marie, bonjour, comment allez-vous ? Oui. Vous avez un store chez vous ? Bonjour, Anne-Marie, est-ce que vous... Oui. C'est Karine Le Marchand qui vous parlait. Mm. Vous savez, oui. Celle qui couche avec les paysans ? Oui. Alors, vous... Non, là, il fallait dire non, là. Vous avez le montant de la valise, Anne-Marie ? Oui, 1099 oui. euros. Oui, ça, c'est bien. Il y a trois choses, hein. Oui, 6 mois de couche, marque en moins. Oui. Oui. Ils ne vont pas être inutiles. Est-ce que vous avez des enfants ? Beaucoup. Ah, plus que 3 ? 5. Oh, ah ouais, wow. Avec la même femme ? Non. Ah oui. Et tous de vous, tous de vous. Que tard l'invité mystère, que tard. Oui. Est-ce que vous montez sur scène parfois ? J'ai pas fait les 5 enfants. Ah, c'est ça, pas tous de vous. Vous avez adopté des enfants. Ah, c'est bon, vous avez. Sur les familles recomposées, en fait. Changé de femme. Ah oui. Ah, vous êtes témoin de Jéhovah. Oui, oui.